se retrouve aujourd'hui pour faire travailler les bras et les jambes avec des poids si vous désirez. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Belle et Rebelle. Pour ma part, j'ai 1 kg dans chaque main. Pour cette séance, ce sera 30 secondes de travail suivi de 30 secondes de récupération pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Coucou et merci à mes abonnés fidèles d'être avec moi. Et si vous n'êtes pas encore parmi nous, je vous propose de vous abonner et cliquez sur cette petite cloche. Elle vous informe de la sortie des vidéos. Pensez à télécharger votre guide sur ma méthode aquaactive. Elle est puissante et douce à la fois, vous allez adorer. Et si vous aimez les entraînements, alors vous allez beaucoup aimer les petits programmes. Ils sont là pour vous, je vous guide. Vous n'avez qu'à me suivre. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Allez, on continue notre petit échauffement, un petit peu plus dynamique, juste avant de faire quelques assouplissements. C'est très important de faire un peu d'échauffement avant de démarrer sa séance de sport. Et si vous le trouvez trop court, vous trouverez dans mes playlists une séance spéciale échauffement pour tout le corps. Et on va se mettre en place, vous pouvez prendre les poids dans les mains, on va démarrer dans quelques secondes. Allez, c'est parti, on veut travailler ses bras et ses jambes en même temps. Les pieds sont dirigés vers l'extérieur, les jambes bien écartées. On descend en même temps que l'on ramène les deux mains vers la poitrine. On pense à bien respirer, on descend le dos droit. Utilisez votre ventre pour serrer vos abdominaux. Et déjà 30 secondes de récupération et comme d'habitude, vous me connaissez, vous pouvez modifier votre temps de travail si vous désirez. Pensez tout de même à prendre quelques secondes de repos pour la transition et surtout pour aller au bout de la séance. Continue à faire un bon travail de tout le corps. Je descends légèrement sur mes jambes, je fixe la position et en même temps, les bras sont bien tendus derrière. Je monte et je descends les mains. Les poids sont en bout de bras. Ne prenez pas trop lourd, c'est pas important. L'essentiel est de faire une bonne séance et d'avoir du plaisir surtout. Allez, 30 secondes de récupération. Et cette fois-ci, on enchaîne avec du squat, les jambes toujours bien ouvertes. Et à chaque fois que je remonte, je pousse un point vers le ciel. C'est pas une course de vitesse, protégez votre dos, utilisez votre respiration. Vous faites travailler l'intérieur des cuisses, les cuisses, les bras, les épaules, tout le corps travaille. Et 30 secondes de pause, c'est très très bien. On continue avec notre belle énergie du jour. Je suis fière de vous. Merci messieurs d'être là. Je sais que vous êtes nombreux. Bravo à vous. On est fiers de vous avoir avec Belle et Rebelle. Allez, j'enchaîne avec la fente sur le côté et en même temps, je fais un mouvement de biceps, c'est-à-dire que je ramène les deux mains ensemble vers la poitrine, une fois à droite, une fois à gauche. Respirez bien, ne bloquez pas cette respiration, c'est important. On souffle, on récupère, c'est super. Allez, 30 secondes de pause.
pas sur un travail de triceps, biceps en même temps. Pendant que les jambes sont à demi fléchies, on fait travailler ses cuisses. Et oui, c'est une séance qui est assez complète aujourd'hui. Allez, on s'accroche. Bravo à vous de prendre soin de vous grâce au sport, c'est génial. Et 30 secondes pour souffler et récupérer. Je descends en demi-squat, les jambes toujours bien ouvertes, les pieds vers l'extérieur. Et à chaque fois que je remonte, je vais pointer loin sur le côté avec mon bras. Allez, grandissez-vous, c'est bien. Utilisez tous vos muscles. C'est génial, 30 secondes pour récupérer et souffler. Continue un travail de bras et de jambes. Je descends poser les deux mains entre mes deux jambes et à chaque fois que je remonte, je fais un mouvement des deux bras vers la poitrine et je monte mon genou. Allez, c'est un petit peu de la coordination. Si vous vous en mêlez les pinceaux, c'est pas grave. L'essentiel est de bouger, de vraiment prendre du plaisir à faire du sport. Secondes pour souffler. Bravo à vous. Allez, on s'accroche, je vous encourage. On continue ce travail complet, je descends en demi-squat et en même temps je fais un tirage, je ramène mes deux mains sous le menton et je tire bien haut mes coudes. Allez, si c'est difficile, prenez quelques secondes supplémentaires de repos, accrochez-vous, regardez le chronomètre. On est bientôt au bout de la séance, on ne lâche pas maintenant. Et 30 secondes pour souffler et récupérer. Je repars avec un exercice, demi-squat, les jambes bien ouvertes et en même temps, je pousse mon poing vers l'avant, une fois bras droit, une fois bras gauche. Et c'est déjà nos dernières 30 secondes de pause. Vous avez bien fait, très très belle séance. Allez, allez, on va jusqu'au bout et on le termine ensemble cet entraînement. Je me mets
position de demi-squat, j'essaye de tenir le coup et j'ouvre et je ferme mes bras. Et tous les 3 ou 4 mouvements, je récupère, je souffle, je remonte sur les jambes et je recommence. Je me mets en position de demi-squat, j'ouvre et je ferme mes bras bien tendus. Allez, encore quelques secondes, on s'accroche. Bravo à vous, superbe séance encore une fois. Je profite pour faire quelques assouplissements. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Et si vous désirez continuer, je vous propose d'enchaîner sur cette séance. Sinon, vous avez les étirements. Continuez à m'écrire, abonnez-vous, partagez tout autour de vous. Et n'oubliez pas de télécharger votre guide sur ma méthode aquactive. Vous avez également mes petits programmes qui vous attendent. Je suis impatiente de vous retrouver. Vous allez adorer. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Allez, continuez à bien prendre soin de vous surtout. Et restez belle et rebelle. Je vous dis à très très vite. Bye bye.